Bonjour Mike. Bonjour. Bon, on se retrouve après, alors certes une défaite à Mios, mais une défaite plus qu'encourageante. Oui, bien sûr. Si on peut parler d'encouragement dans la défaite. Bien sûr. Mais vous sortez d'un bon match, c'est ça que je veux dire. Ben, d'un très bon match, oui, à Amiens. Au vu du match aller qu'on avait proposé, bien sûr qu'on a vu la progression de quelques mois de travail qui s'est passé entre le premier match et le match retour. Voilà, après ces 2 semaines de travail aussi qui ont été effectuées de la part des filles pour préparer ce match comme il se doit. Donc, bien sûr qu'on a proposé une belle prestation. Après, bon, voilà, ça reste une défaite, ça s'est joué sur des détails, mais on est vraiment satisfait du match qu'on a pu proposer samedi à Amiens. En plus, c'est une bonne préparation de recevoir les leaders, Pessac, invaincu. Et l'objectif, je suppose, va être de leur faire mordre la poussière à la Grand-Fonds. Bien sûr, c'est ce qu'on voulait aussi, de proposer un bon match à Amiens sans forcément un objectif de résultat, mais en proposant une bonne prestation pour préparer ce match de Pessac là, à domicile. Bien entendu que on s'est fixé l'objectif, pourquoi pas, de faire tomber le leader ici pour la première fois de la saison. On en est capable, j'en suis grandement persuadé. Après, on verra comment ça va se passer ce week-end, mais en tout cas, on fera tout pour les battre ici et les faire tomber pour la première fois de la saison. Ça serait bien qu'ils ne fêtent pas l'accession en D2 à Angoulême, d'autant plus qu'il paraît qu'ils ont prévu la fête à Angoulême après le match samedi soir. Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on va tout faire, on va dire, pour peut-être leur gâcher la fête et puis nous faire une belle prestation. Ça reste un match, on va essayer de le jouer comme il se doit, de les recevoir ici chez nous et essayer de faire le meilleur match possible. Voilà, après Pessac, c'est une grosse équipe. Il y a 2 sets majeurs. On sait ce qu'elles ont fait tout au long de la saison. Elles ont produit une belle partie de saison en étant invaincues. Donc, c'est pas rien. Ça va être un match très difficile. Mais on s'y prépare. Et puis, on va essayer de rendre fiers nos supporters et puis l'équipe. Et puis, peut-être faire un exploit sur cette saison, cette fin de saison. Merci Mike. Merci.